t'es pas obligé de prendre l'envoi aujourd'hui, tu peux le prendre dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, si tu veux venir plusieurs fois dans le live, quoi. Et ben voilà, première commande, première AR et premier voli. Voilà, la AR la plus recherchée de la série, elle est pour toi. Et voilà, c'est simple, hein. Je vous dis, c'est très simple. Superbe carte ici, le petit Tevoli. Je sais pas trop. Axel, faut qu'on parle. 17-18h, max. Ça dépend un peu des enfants. Paris. Et... magique, la numérotée ici de Nuno Mendes, la 156 sur 250. Première numérotée ici. À l'intérieur déjà, deux petites cartes ici. Oh la qualité. Bon, quand tu les auras chez toi, tu vas comprendre. Emrehan Ilkan de la Turquie, national débute. Donc ça, c'est assez cool aussi à avoir. Et le Rafael Guerrero, très sympa aussi. Pas de numérotation ici pour ces deux cartes. Et le paquet ici. Portugal, toi, c'est ça, hein, Kev? C'est ça? Under. Oh, Denis Zakaria pour la Suisse. Ça ressemble à un short du Portugal, ça. Inévitable Raphaël Leao. Tu as une carte ici, pristine, dans un boîtier. Et c'est cette carte-là qui peut être autographe ou pas. Ça, c'est le... Belgique, hein? Oui. Belgique de Cattler. Signature! Let's go! Et tu as dans son boîtier. C'est pour ça que les boosters sont énormes. Ouais, j'ai un booster Pokémon, et alors? Tu vois, on peut découvrir avec le petit trou. Il n'y a pas de signature, mais il y a une magnifique carte numérotée. Ah, j'essaie de pas me spoil à chaque fois. Et le booster dans le booster. Avec Vertelsen pour la Norvège. Et en deuxième carte, Roy Keane. Ah, ancienne légende de Manchester United. Magnifique numérotée. La numéro 7 sur 25, frérot. Jack Hendry. Oh. $19/50 de Marcel Sabitzer. Elle est méga classe, la carte. La carte qui nous intéresse, elle est là. Ancienne pépite, hein. La signature de Ansu Fati, la deuxième signature de la box qui tombe. Oh. Oh. Oh, Alan Shearer. Oh. Oh, la 4 sur 25. Alan Shearer, Xabi Alonso, qui en ce moment fait beaucoup parler de lui, donc plutôt sympa d'avoir sa carte en vrai. Josip Sutalo, non numéroté. Joueur de l'OM ou passé par l'OM, c'est le top. Allez, eh ben regarde, un ancien de l'OM. Je rigole, Ostigard. Cristiano Ronaldo, éventuellement, ça peut être quand même sympa de le choper, mine de rien. Et ça, c'est déjà très cool. On n'a pas eu de numéroté, malheureusement, mais peut-être là. J'allais dire Dele Alli, mais bon, faut pas être à l'euro. Oh, le Cody Gakpo. Et attends, numéroté. C'est quoi le numéro? Sur 50, la numéro 46. Silva, Milambo et Jiménez. C'est quoi, Paris en prio, c'est ça? Bissek, Coupe Miners, Minté.
et la numéro 2 sur 75 de Romelu Lukaku. On a 10, je sais pas exactement combien on a. Bukayo Saka, congratulations, you got... Oh, Lucho. Oh là là, la carte signature de Lucho. On est d'accord que signature, même pas... Bah oui, c'est une signature du joueur. Déjà, de base, c'est cool. Alors après, bien sûr, hey, Rudiger, bien sûr qu'une numéroté rajoute un truc en plus. Mais la signature, c'est déjà bien cool, quoi. C'est pour ça que les box là, avec des signatures garanties, c'est sexy. La 5 sur 2,99, frérot. Tu fais des numéros vraiment cool, hein. Dumfries, derrière, un petit Ronaldinho... J'ai trompé de club encore une fois, mais Ronaldinho, je crois que même si t'es pour le Real, t'es content de l'avoir. Ça fait partie des joueurs qui mettent tout le monde d'accord. Franchement propre, hein. Ouais, je checkerai après le... Elle est sympa. Elle est tout de même sympa, cette petite secrète de l'adresseuse. Je sais plus son nom. I don't remember. Erika. Merci. Sympa, là, Erika, quand même, en dresseur. Godpack ou pas Godpack? Pas ici, en tout cas. Ramolos. Y'a un Godpack ou pas? Excusez-moi. Oh pardon, j'ai pas fait le Godpack quoi, désolé mon petit pote. Bon par contre je t'ai mis un petit dragon feu, une deuxième secrète, parce que je suis un mec sympa. Pokéquack bien évidemment. Meilleure boutique. À là-bas. Pour l'Autriche, avec une carte signature, madame. Et oui, signature, ici, de David Alaba. En espérant qu'il aime l'Autriche, hein, du coup, hein, vraiment. En tout cas, bien joué. Ça reste une très très belle box avec la Cristiano Ronaldo inévitable. Mais c'est parti avec ta première carte. Je crois que c'est bon, c'est pour toi. National début. Oh, Gonzalo Ramos signé. Monsieur, let's go. Ça peut être sympa, ça, en vrai. Il suffit qu'il fasse un bon euro. Chesney. Ah, bon, alors, ça peut être cool, quand même. Erling Haaland, ça peut être sympa. Ok, cool. Le 9, avec un gros gag. C'est qui le 9 qui a une grosse bite? Je sais pas. Il commence à être sexy ce booster quand même, mine de rien. Il commence à être cool, hein. C'est quoi, on va regarder une carte. À la base, il faut compter... Là, c'est 22. Oh, sur 5... Oh, waouh. Lionel Messi sur 50, avec une carte vraiment belle et originale. Très sympa, bravo. Monsieur. Superstar relique carte. Dayot Upamecano sur 99. Le petit bout de maillot avec le changement de couleur. Assez sympa. Upamecano ici pour toi. Elle est arrivée. Maillot porté. Et en termes de valeur, eh ben, comme je dis, hein, pour moi, les gros bangers, au final, sont pas forcément moins chers en japonais. Même suivant les collections, même plus chers en japonais. Hein, tu vois. Même celui tout à l'heure. Arrête, putain. Imagine. C'est full les mêmes cartes, quoi. Même secrète et tout. Ce serait chaud, hein. Mais je crois bien que c'est mieux. Il l'avait annoncé. Je crois bien qu'il l'avait annoncé. L'alternate qui tombe. Incroyable. Ben, une des deux plus recherchées de la collection, très clairement. Amphinobi en carte alternate. Il est magnifique. Bravo. Pas dommage. Mais bon, un Kevin De Bruyne numéroté sur 75. Non. Oh. Oh. Tu as là, Omega. 75 sur 75. J'ai de la peine à voir les numéros. Let's go.